pas là. Ah, ben là, je peux pas savoir. Omniprésent dans notre quotidien, le téléphone est l'un des plus grands symboles de la modernité. Son évolution est fascinante. Mais peu de gens soupçonnent que l'incroyable aventure du téléphone commence en partie ici à Québec grâce à Cyril Duquette. Cyril Duquette est un homme qui est assez important, mais qui a été méconnu. Il invente tout le temps, très tôt. Vraiment, tout ce qui existe à l'époque l'intéresse. C'est ce qu'on me dit, c'est qu'il était un homme extraordinaire et qu'il était un bon père de famille. Cyril Duquette naît à Québec le 31 mars 1841. Dernier d'une famille de 9 enfants, il étudie chez les Frères des écoles chrétiennes dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste. À l'âge de 13 ans, Duquette entre comme apprenti chez l'orfèvre Joseph Prudent Gendron de la rue Saint-Jean. À 21 ans, il reprend le commerce à son compte. Il installe son entreprise au 1 rue Saint-Jean. À partir de ce moment et toute sa vie, Duquette y exerce les métiers de joaillier, d'orfèvre, de bijoutier et d'horloger. Il est également inventeur et essaie de trouver de nouvelles applications aux technologies de l'époque. Duquette fait preuve d'ingéniosité, tout comme les inventeurs d'aujourd'hui. C'est dans la belle ville de Québec qu'on a inventé, Jean-François Monplaisir et moi, le bracelet GPS contre l'errance Alzheimer. Donc, on sait que les malades d'Alzheimer se perdent parfois. On a donc inventé ça. On a aussi créé un système d'alarme cardiaque portable, sans fil, à alerte intelligente. Et ce sont toutes les deux, le bracelet autant que le système d'alarme cardiaque, ce sont des technologies qui vont marier la téléphonie cellulaire et le GPS, toujours dans un seul but, de permettre aux services d'urgence de retrouver très vite le patient. C'est comme ça que Medical Intelligence, la compagnie, est née à Québec en 2000-2001. Je suis Denise Duquette, la petite fille de Cyril Duquette, mon grand-père. Je suis avec ma fille Linda et nous sommes en train de regarder les photos de la famille de Cyril Duquette. Ici, c'est la coutellerie qui est là. Ici, c'est toutes des horloges. Des statues qui étaient de sel, si vous ne voulez pas, je vous rappelle de ça, des statues de sel. Encore un magasin. Ça, c'était ma tante Flore. Ça, c'est Madame Duquette, son épouse. Mon grand-père s'est marié avec Adélia Saint-Laurent. Puis, ils ont eu 16 enfants. Cyril Duquette est aussi flûtiste au sein du Septuor Haydn de Québec. Tout le passionne, de la chimie à la minéralogie, en passant par l'astronomie. Il avait un télescope dans sa maison, sur son toit, et pour examiner les astres et les étoiles. Je ne sais pas s'il regardait pour les choses, hein? Les omnis, oui. On peut le qualifier d'autodidacte. Les Anglais disent un self-made man, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a l'esprit inventif. On peut supposer qu'il fréquente les prêtres séminaires qui ont des laboratoires et qui font des expériences. D'ailleurs, sa première démonstration de téléphone, il va la faire à partir du séminaire. C'est donc un type qui n'a pas beaucoup d'instructions, à mon avis, mais beaucoup de curiosité scientifique. La question de savoir si Cyril Duquette était un scientifique ou un amateur éclairé, je crois qu'elle a été tranchée par le brevet qu'a déposé Duquette. L'invention de Cyril Duquette, elle est double, vous voyez. C'est d'avoir amélioré le microphone et d'avoir eu l'idée de mettre le microphone et le récepteur sur un appareil conjoint qu'on appelle le combiné téléphonique. Si le combiné téléphonique est son invention la plus importante, on doit aussi à Duquette le key punch ou l'horloge poinçon, utilisé encore aujourd'hui dans les milieux de travail. Il invente également l'horloge magique, dont le mécanisme est entièrement caché derrière les aiguilles. C'est juste que le monde a décidé d'appeler ça une horloge magique parce qu'il ne comprenait pas comment ça se fait qu'elle pouvait marcher, cette horloge-là. Il y a le réflexe de s'associer à des gens qui ont la théorie, un professeur de l'Université Laval pour faire une exploitation de gaz naturel, pour développer ses patentes, avec des prêtres similaires, la même chose. Donc, il est toujours à l'affût de nouveautés. Dès 1872, Duquette installe dans la ville de Québec des horloges électriques qu'il crée lui-même ou dont il assemble les pièces. Encore aujourd'hui, plusieurs horloges de Cyril Duquette sont toujours en fonction dans la ville. On est dans un lieu secret.
du Parlement, qui est très peu visité. D'ailleurs, il est très peu accessible aussi, parce qu'il y a pas mal de marches à monter pour se rendre jusqu'ici. Rendu ici, on est entouré de trois cadrans qui portent la signature de Duquet. Son génie, ça a été d'abord d'installer les mécanismes ici qui sont reliés à un mécanisme central pour faire fonctionner en parallèle trois cadrans qui sont assez spectaculaires et qui vont aider à créer un peu sa légende, parce que c'est quand même impressionnant de voir ces cadrans-là marqués Duquet. Et il y en a un peu partout dans la ville de Québec. Les horloges que Cyril Duquette a créées pouvaient servir de point de repère à des personnes qui cherchaient leur chemin dans la ville. Nous, de notre côté, on a créé un système qui va permettre de se repérer, mais de façon bidirectionnelle. Donc, on peut, premièrement, le bracelet va permettre d'envoyer une alarme lorsque une personne s'éloigne trop de son domicile. Et deuxièmement, on va pouvoir lui parler carrément, parce qu'on sait qu'il y a un haut-parleur sur le bracelet Columba. On l'a appelé Columba, du nom latin du pigeon voyageur, alors qu'on sait que à une certaine époque, le pigeon voyageur était le seul moyen d'avoir une communication bidirectionnelle, mais c'était pas très rapide.
Cyril Duquette s'intéresse vraiment à toutes les technologies. Le télégraphe électrique, qui règne en maître dans le monde des communications de l'époque, est en train de connaître une double mutation vers l'électricité et le téléphone. Le télégraphe électrique, c'est la grande invention du 19e siècle. C'est la technologie qui va marquer tout le 19e siècle. Parce que c'est la première fois que l'information va à une vitesse supérieure à un homme qui court ou un homme qui monte à cheval. Pour des pays assez vastes et éloignés comme le Canada, communiquer du jour au lendemain avec l'Europe ou avec les États-Unis, c'était fondamental. Ça changeait la vie des gens, ça changeait la perception que les gens avaient de leur environnement. Au 19e siècle, le télégraphe, c'est à peu près aussi important qu'Internet à notre époque. Je vous le dis, les enfants, l'électricité puis le téléphone, ça va changer nos vies. Même quand Alexander Graham Bell invente le téléphone, le brevet qu'il va déposer est un brevet sur lequel le mot téléphone n'apparaît pas. C'est un brevet qui parle d'amélioration au télégraphe électrique. Et ça, c'était pour Bell une façon de vendre, de faire la promotion de son invention. S'il avait dit qu'il voulait juste transmettre la voix, on l'aurait considéré comme un illuminé. Il faut bien comprendre que autour des années 1870, il y a pas mal d'activité autour de la naissance du téléphone. Et Duquette, très probablement, lit tout ce qui se publie, etc. Et là, c'est quasiment une course contre la montre, il ne faut pas dire de mots avec l'horloger, là, mais c'est une course contre la montre pour savoir lequel va inscrire sa patente le premier, son brevet le premier. Alexander Graham Bell dépose son brevet 2 heures seulement avant l'un de ses concurrents. On a découvert depuis lors qu'en Allemagne, il y a eu des téléphones qui ont fonctionné avant même celui d'Alexander Graham Bell. Il y a même des Italiens qui disent la même chose pour l'Italie. En tout cas, le téléphone était vraiment quelque chose qui était en train de naître un peu de tous les côtés à la fois, au même moment. Edison travaillait là-dessus aussi au même moment. Duquette, lui, n'est pas dans cette forme de compétition-là, mais il observe les choses, il se documente, il se renseigne. Et le jour où la patente, si on peut dire, la patente de Bell est déposée, lui, il est un des premiers à comprendre. Alors lui, il est capable d'aller un petit peu plus loin. En 1878, Duquette crée son propre téléphone. Et il invente bien plus que le premier combiné téléphonique. Duquette n'a pas déposé un brevet pour le combiné, il a déposé un brevet pour son transmetteur, pour avoir amélioré le microphone et avoir stabilisé donc la transmission de la voix. Les téléphones avant Duquette avaient une voix qui était fluctuante, qui montait, qui descendait, parce que ça marchait avec des granules de charbon attirées par un électroaimant. Et donc cette résistance variable, elle était tellement variable qu'il n'y a pas que la voix qui variait, elle disparaissait parfois. Avec Duquette, on va être beaucoup plus précis et on va avoir une voix qui va être scientifiquement plus stable, si vous voulez. Et au fond, ce que fait Duquette, c'est de l'ergonomie. Il va vous rendre un appareil qui était lourd, mal commode, pesant et pas facile à déplacer, en quelque chose de beaucoup plus convivial et de beaucoup plus maniable, de beaucoup plus souple d'utilisation, de beaucoup plus simple d'utilisation. Après la première étape de créativité, quand on a l'idée d'inventer, tout de suite après, il faut arrêter d'être créatif, il faut devenir plutôt rationnel. Créer le premier prototype, aller vers les brevets, donc investir de l'argent pour protéger cette idée. Ensuite, investir les premières sommes en gardant le secret. Aller sur les marchés financiers, proposer l'idée avec un plan d'affaires dans un modèle qui est nouveau la plupart du temps. Une nouvelle invention, c'est un nouveau modèle d'affaires. Et le marché va définir le destin de ton invention. Hello? Oui, bonjour, c'est moi. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, pas mal, merci. Le téléphone de Cyril Duquette, qui est ici, a été inventé en 1878 et a été commercialisé par le Bell Téléphone dans les environs de 1927. Les premiers utilisateurs du téléphone, les premiers qui vont découvrir le téléphone, vont considérer que c'est de la magie. Le téléphone, c'est de la voix, il parle, ils pensaient que c'était la machine qui parlait. Il y avait même des inquiétudes au Canada, on disait, mais est-ce que cette machine, elle va parler en français? Et d'un coup, je sais que c'est le père Melville Bell qui avait essayé de rassurer quelqu'un en disant, écoutez, oui, même j'ai même entendu parler un japonais dans le téléphone et ça marche très bien, même en japonais. Alors n'hésitez pas à parler français. M'entends-tu bien, Hector? C'est Cyril. T'entends? Hey, ça marche! Alors, Duquette a fait des expériences sur le réseau de télégraphique entre Montréal et Québec. Donc, il va faire des expériences interurbaines. Mais c'était beaucoup plus expérimental qu'autre chose, puisque sur le grande distance, à l'époque, on utilisait le télégraphe. À l'époque, hein, l'Europe et l'Amérique
vont être réunis au moment de... On est encore à l'époque du télégraphe, par un câble transatlantique. Hein? On a déroulé sur l'Atlantique un câble pour réunir par télégraphe l'Amérique et l'Europe. Pas oublier que le téléphone se développe à une époque où encore tout le monde vivait avec des calèches à cheval, le bois dominait, très peu d'objets en fer ou en plastique n'existaient pas. Les premiers téléphones étaient surtout en bois. Donc il faut se rendre compte que c'était les premières technologies électriques qui pénétraient dans les villes et même dans les campagnes. Duquette crée la Quebec & Lévy Telephone Company. Il installe d'abord une première ligne téléphonique entre son commerce de la rue Saint-Jean et une autre boutique qu'il possède dans le quartier Saint-Roch. Il relie ensuite sa boutique de la rue Saint-Jean au collège Jésus-Marie à Sillery, où étudie l'une de ses filles. À Montréal, il va faire la même chose. Il va installer une ligne entre le séminaire sulpicien et puis le cimetière de la Côte-des-Neiges. Ben, si tu vois, il a installé une ligne régulière entre Spencer Wood et le bureau du lieutenant-gouverneur. C'était qui, ça, Spencer Wood? C'est le bois de Coulonges. Ah, OK. En plus de ces lignes, il vendait les téléphones à des gens qui les installaient chez eux. On vendait les téléphones à la paire à l'époque. Je vous vendais une paire de téléphones, vous en installiez un chez vous, un chez votre fils ou chez votre sœur, et puis vous parliez comme ça de maison à maison. C'était donc assez artisanal. On utilise les poteaux de télégraphe pour le téléphone et après ça pour l'électricité. Hein, c'est toujours les mêmes poteaux. De telle façon qu'il y en a un peu partout des poteaux. Et puis ils dérangent, c'est des entraves à la circulation. La charrette s'accroche dans le poteau. Les poteaux de téléphone ont tout de suite été très mal vus par les gens parce que d'abord, on a considéré ça comme un empiétement sur sa propriété et on venait de mettre devant chez moi, de ma maison, un poteau de téléphone qui défigurait mon paysage. C'était déjà le syndrome pas dans ma cour. Donc les gens protestaient contre l'érection des poteaux de téléphone. Les fils et les poteaux font même naître la rumeur qu'ils propagent les maladies. En 1885, lors d'une épidémie de variole, les gens abattent les poteaux de téléphone à coups de hache afin d'arrêter la propagation. Déjà à l'époque, tout ce qui est neuf est soupçonné d'être une cause de maladie nouvelle. Dans la ville de Québec, on sait par exemple que les grandes épidémies, c'est de choléra ou de typhus. Alors, on fait tirer du canon. On fait tirer du canon dans la ville pour changer l'air. Ça nous fait sourire aujourd'hui de savoir que les gens de Québec s'imaginaient que les fils électriques par les poteaux, là, les fils de téléphone, allaient propager des maladies. Ça nous fait rire aujourd'hui. Je suis convaincu que mes petits-enfants vont rire quand ils vont apprendre qu'à l'époque du bracelet GPS, quand on a créé tout ça, certaines personnes disaient que c'était une atteinte à la liberté. Quand on invente un produit, on a non seulement l'effort de créativité, la mise en marché, mais on a aussi à gérer nos contemporains. On a à gérer la réaction des gens. Et c'est normal, tout le monde, on le sait, résiste au changement. Donc, ça prend de la patience.
ont créé deux réseaux parallèles qui ne communiquent absolument pas. Ils ont deux technologies différentes. Les deux compagnies se font la guerre. Montréal Télégraphe et Dominion Télégraphe avec des téléphones incompatibles. Arrive au milieu de tout ça Duquette, qui a encore un téléphone non compatible ni avec celui de Bell, ni avec celui de Edison. Vous avez un peu le portrait de la téléphonie débutant, donc je parle des années 1878-1879. C'est une période d'anarchie avec des réseaux, deux réseaux, parfois même à Québec, donc trois réseaux incompatibles l'un avec l'autre. En 1879, Melville Bell décide de vendre pour 100 000 $ ses brevets pour tout le marché canadien. C'est une occasion en or pour Duquette de se lancer dans la grande aventure. Il tente d'abord de trouver des investisseurs à Québec. Il n'y amasse qu'un maigre 3 000 $. Puis, il se rend à Montréal. Gentlemen, telephone will become the best thing for your business. Monsieur Duquette, qui est arrivé de Québec, c'est un francophone. Il n'était pas de Montréal. Il a été tout à fait en dehors des milieux d'affaires traditionnels, qui étaient donc anglophones montréalais à l'époque. Et il vient pour réclamer de l'argent pour lancer une invention dont les gens avaient entendu parler, mais qu'ils considéraient plus comme un jouet scientifique que comme quelque chose de sérieux. Alors, on va le considérer comme un illuminé. À Montréal, on se moque de Duquette. On ne croit pas en lui, pas plus qu'en l'avenir du téléphone. Le numéro composé n'est pas en service. Veuillez vérifier le numéro composé de nouveau. Dire que Bell Canada aurait pu devenir Duquette Canada. Ça aurait pu évoluer au nom de Duquette, là, tu sais, qu'est-ce oui, que... Oui, c'est ça, il était à un moment donné... On peut s'imaginer quel sort aurait... Je sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Si on avait eu tout ça, on serait... Tu sais pas. Tu serais peut-être pas née, toi. Tu sais jamais. En 1881, Duquette est assignée en cours par la compagnie Bell, qui l'accuse d'avoir copié sa technologie. On lui ordonne de payer 5 000 $ et de cesser de fabriquer des appareils téléphoniques. Veuillez cesser vos menaces, qui ne m'effraient nullement. Duquette se choque et dit on arrête de rire, là. Si vous, votre patente, une vieille affaire, puis si vous voulez une nouvelle, là, une vraie, là, bien, achetez la mienne pendant qu'elle n'est pas encore trop chère, parce que le prix va monter. Duquette va dire non seulement je n'empiète pas sur vos brevets, mais en plus, votre brevet n'est pas valable au Canada, parce que votre brevet vous obligerait, si vous suivez la loi canadienne, à fabriquer vos téléphones au Canada. Or, tout le monde sait que vous les fabriquez aux États-Unis et les importez au Canada. Effectivement, Bell était en défaut. Si Duquette avait eu assez d'argent pour poursuivre Bell, il aurait pu gagner et faire annuler le brevet de Bell au Canada et poursuivre sa propre compagnie. La vraie valeur d'un brevet va dépendre de l'argent que vous serez capable d'investir pour le défendre si cette invention est copiée par la suite. Mais la véritable façon de protéger une idée, à mon avis, c'est de rapidement la commercialiser, de toujours garder une avance. Si ce produit-là est accoté, entre guillemets, par une prochaine génération qui s'en vient, qui est très avancée encore plus, ça protège vraiment ton marché. La réclamation de la compagnie Bell envers Duquette passe soudainement de 5 000 à 10 $. Tout d'un coup, l'amende réclamée, c'est 10 $. Pourquoi? Alors, l'avocat explique que c'est qu'on se rend bien compte que M. Duquette était un bon monsieur, qu'il était de bonne foi et qu'il est bien gentil. Finalement, 10 $, ça va être assez pour faire une petite leçon. La vérité, c'est que les gens ont réalisé que Duquette avait eu le génie de mettre ensemble le microphone et le récepteur. Pendant les poursuites, Bell avait quand même acheté des téléphones de Duquette et avait bien vu que ce téléphone était supérieur au sien. Dans les tests, ils ont vu que le fameux transmetteur de Duquette était un transmetteur qui était beaucoup moins instable que le téléphone, le transmetteur utilisé par Bell à la même époque. Donc il y avait un intérêt pour Bell d'utiliser la technologie Duquette. Et là, ils vont payer 2100 $ pour tout. Et là, Duquette quitte l'univers du téléphone après ça parce qu'il a tout cédé. Il a tout cédé, ce qu'il possédait comme documentation, comme recherche et comme brevet. Suite à son aventure dans la téléphonie, Duquette s'engage en politique. Il devient conseiller municipal, d'abord avec le maire Langelier, puis pour le maire Simon-Napoléon Parent. Par son passage en politique, Cyril Duquette est l'un de ceux qui contribuent à transformer Québec. C'est lui, quand il a été échevin, qui a fait élargir la rue Saint-Jean, parce qu'il y avait seulement une voiture qui pouvait passer à la fois dans le temps.
Sur la cloche qui domine le Parlement de Québec, on peut lire « Amis du progrès, suivez l'exemple de votre concitoyen, Cyril Duquette ». Duquette meurt en 1922 à l'âge de 81 ans. Il laisse l'image d'un autodidacte curieux et d'un avant-gardiste chevronné. Sur Saint-Jean, ça fait une demi-heure que je t'attends. T'es où, toi? Ben, attends. Moi, ça me plaît de voir quelqu'un qui sait allier les arts et les affaires. Ça me plaît beaucoup. Quelqu'un qui sait réunir une carrière, appelons ça, de scientifique avec une carrière politique, vous aurez compris que ça me plaît aussi. Les téléphones portables d'aujourd'hui, c'est l'aboutissement du rêve de Duquette. C'était quelque chose qui était complètement inimaginable avant Duquette et qui va le devenir après Duquette. D'où l'importance de l'invention de quelque chose, d'un instrument souple, d'un instrument mobile. Et ça, c'est Duquette qui va donner la mobilité au téléphone. Québec est une ville exceptionnelle en innovation technologique. Et des gens comme Cyril Duquette ont contribué à mettre ça en place. C'est le temps là, que les gens sachent qui est Cyril Duquette, là, qu'on descende tout le bord Charest puis qu'on voit la pancarte. Moi, c'est la pancarte. Cyril Duquette, puis on se demandera plus c'est qui. Omniprésent dans notre quotidien, le téléphone est l'un des plus grands symboles de la modernité. Son évolution est fascinante. Mais peu de gens soupçonnent que l'incroyable aventure du téléphone commence en partie ici, à Québec, grâce à Cyril Duquette. Cyril Duquette est un homme qui est assez important, mais qui a été méconnu. Il invente tout le temps, très tôt. Vraiment, tout ce qui existe à l'époque l'intéresse. C'est ce qu'on me dit, c'est qu'il était un homme extraordinaire et qu'il était un bon père de famille. Cyril Duquette naît à Québec le 31 mars 1841. Dernier d'une famille de 9 enfants, il étudie chez les Frères des écoles chrétiennes dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste. À l'âge de 13 ans, Duquette entre comme apprenti chez l'orfèvre Joseph Prudent Gendron de la rue Saint-Jean. À 21 ans, il reprend le commerce à son compte. Il installe son entreprise au 1 rue Saint-Jean. À partir de ce moment et toute sa vie, Duquette y exerce les métiers de joaillier, d'orfèvre, de bijoutier et d'horloger. Il est également inventeur et essaie de trouver de nouvelles applications aux technologies de l'époque. Duquette fait preuve d'ingéniosité, tout comme les inventeurs d'aujourd'hui. C'est dans la belle ville de Québec qu'on a inventé, Jean-François Monplaisir et moi, le bracelet GPS contre l'errance Alzheimer. Donc, on sait que les malades d'Alzheimer se perdent parfois. On a donc inventé ça. On a aussi créé un système d'alarme cardiaque portable, sans fil, à alerte intelligente. Et ce sont toutes les deux, le bracelet autant que le système d'alarme cardiaque, ce sont des technologies qui vont marier la téléphonie cellulaire et le GPS, toujours dans un seul but, de permettre aux services d'urgence de retrouver très vite le patient. C'est comme ça que Médical Intelligence, la compagnie, est née à Québec en 2000-2001. Je suis Denise Duquette, la petite fille de Cyril Duquette.
mon grand-père. Je suis avec ma fille Linda et nous sommes en train de regarder les photos de la famille de Cyril Duquette. Ici, c'est la coutellerie qui est là. Ici, c'est toutes des horloges. Des statues qui étaient de sel, si vous ne voulez pas, je vous rappelais de ça, des statues de sel. Encore un magasin. Ça, c'était ma tante Flore. Ça, c'est Madame Duquette, son épouse. Mon grand-père s'est marié avec Adélie de Saint-Laurent. Puis, ils ont eu 16 enfants. Cyril Duquette est aussi flûtiste au sein du Septuor Haydn de Québec. Tout le passionne, de la chimie à la minéralogie, en passant par l'astronomie. Il avait un télescope dans sa maison, sur son toit, et pour examiner les astres et les étoiles. Je ne sais pas s'il regardait pour les choses, là. Les omnis, oui. On peut le qualifier d'autodidacte. Les Anglais disent un self-made man, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a l'esprit inventif. On peut supposer qu'il fréquente les prêtres séminaires qui ont des laboratoires et qui font des expériences. D'ailleurs, sa première démonstration de téléphone, il va la faire à partir du séminaire. C'est donc un type qui n'a pas beaucoup d'instructions, à mon avis, mais beaucoup de curiosité scientifique. La question de savoir si Cyril Duquette était un scientifique ou un amateur éclairé, je crois qu'elle a été tranchée par le brevet qu'a déposé Duquette. L'invention de Cyril Duquette, elle est double, vous voyez. C'est d'avoir amélioré le microphone et d'avoir eu l'idée de mettre le microphone et le récepteur sur un appareil conjoint qu'on appelle le combiné téléphonique. Si le combiné téléphonique est son invention la plus importante, on doit aussi à Duquette le key punch ou l'horloge poinçon, utilisé encore aujourd'hui dans les milieux de travail. Il invente également l'horloge magique, dont le mécanisme est entièrement caché derrière les aiguilles. C'est juste que le monde a décidé d'appeler ça une horloge magique parce qu'il ne comprenait pas comment ça se fait qu'elle pouvait marcher, cette horloge-là. Il y a le réflexe de s'associer à des gens qui ont la théorie, un professeur de l'Université Laval pour faire une exploitation de gaz naturel, pour développer ses patentes, avec des prêtres similaires, la même chose. Donc, il est toujours à l'affût de nouveautés. Dès 1872, Duquette installe dans la ville de Québec des horloges électriques qu'il crée lui-même ou dont il assemble les pièces. Encore aujourd'hui, plusieurs horloges de Cyril Duquette sont toujours en fonction dans la ville. On est dans un lieu secret du Parlement qui est très peu visité. D'ailleurs, il est très peu accessible aussi parce qu'il y a pas mal de marches à monter pour se rendre jusqu'ici. Rendu ici, on est entouré de 3 cadrans. Qui porte la signature de Duquette. Son génie, ça a été d'abord d'installer les mécanismes ici qui sont reliés à un mécanisme central pour faire fonctionner en parallèle 3 cadrans qui sont assez spectaculaires et qui vont aider à créer un peu sa légende parce que c'est quand même impressionnant de voir ces cadrans-là marqués Duquette. Et il y en a un peu partout dans la ville de Québec. Les horloges que Cyril Duquette a créées pouvaient servir de point de repère à des personnes qui cherchaient leur chemin dans la ville. Nous, de notre côté, on a créé un système qui va permettre de se repérer, mais de façon bidirectionnelle. Donc, on peut, premièrement, le bracelet va permettre d'envoyer une alarme lorsqu'une personne s'éloigne trop de son domicile. Et deuxièmement, on va pouvoir lui parler carrément, parce qu'on sait qu'il y a un haut-parleur sur le bracelet Columba. On l'a appelé Columba, du nom latin du pigeon voyageur, alors qu'on sait que à une certaine époque, le pigeon voyageur était le seul moyen d'avoir une communication bidirectionnelle, mais c'était pas très rapide.
Cyril Duquette s'intéresse vraiment à toutes les technologies. Le télégraphe électrique, qui règne en maître dans le monde des communications de l'époque, est en train de connaître une double mutation vers l'électricité et le téléphone. Le télégraphe électrique, c'est la grande invention du 19e siècle. C'est la technologie qui va marquer tout le 19e siècle. Parce que c'est la première fois que l'information va à une vitesse supérieure à un homme qui court ou un homme qui monte à cheval. Pour des pays assez vastes et éloignés comme le Canada, communiquer du jour au lendemain avec l'Europe ou avec les États-Unis, c'était fondamental. Ça changeait la vie des gens, ça changeait la perception que les gens avaient de leur environnement. Au 19e siècle, le télégraphe, c'est à peu près aussi important qu'Internet à notre époque. Je vous le dis, les enfants, l'électricité puis le téléphone, ça va changer nos vies. Même quand Alexander Graham Bell invente le téléphone, le brevet qu'il va déposer est un brevet sur lequel le mot téléphone n'apparaît pas. C'est un brevet qui parle d'amélioration au télégraphe électrique. Et ça, c'était pour Bell une façon de vendre, de faire la promotion de son invention. S'il avait dit qu'il voulait juste transmettre la voix, on l'aurait considéré comme un illuminé. Il faut bien comprendre que autour des années 1870, il y a pas mal d'activité autour de la naissance du téléphone. Et Duquette, très probablement, lit tout ce qui se publie, etc. Et là, c'est quasiment une course contre la montre, à propos du jeu de mots avec l'horloger, là, mais c'est une course contre la montre pour savoir lequel va inscrire sa patente le premier, son brevet le premier. Alexander Graham Bell dépose son brevet 2 heures seulement avant l'un de ses concurrents. On a découvert depuis lors qu'en Allemagne, il y a eu des téléphones qui ont fonctionné avant même celui d'Alexander Graham Bell. Il y a même des Italiens qui disent la même chose pour l'Italie. En tout cas, le téléphone était vraiment quelque chose qui était en train de naître un peu de tous les côtés à la fois, au même moment. Edison travaillait là-dessus aussi au même moment. Duquette, lui, n'est pas dans cette forme de compétition-là, mais il observe les choses, il se documente, il se renseigne. Et le jour où la patente, si on peut dire, la patente de Bell est déposée, lui, il est un des premiers à comprendre. Alors lui, il est capable d'aller un petit peu plus loin. En 1878, Duquette crée son propre téléphone. Et il invente bien plus que le premier combiné téléphonique. Duquette n'a pas déposé un brevet pour le combiné, il a déposé un brevet pour son transmetteur, pour avoir amélioré le microphone et avoir stabilisé donc la transmission de la voix. Les téléphones avant Duquette avaient une voix qui était fluctuante, qui montait, qui descendait, parce que ça marchait avec des granules de charbon attirées par un électroaimant. Et donc cette résistance variable, elle était tellement variable qu'il n'y a pas que la voix qui variait, elle disparaissait parfois. Avec Duquette, on va être beaucoup plus précis et on va avoir une voix qui va être scientifiquement plus stable, si vous voulez. Et au fond, ce que fait Duquette, c'est de l'ergonomie. Il va vous rendre un appareil qui était lourd, mal commode, pesant et pas facile à déplacer, en quelque chose de beaucoup plus convivial et de beaucoup plus maniable, de beaucoup plus souple d'utilisation, de beaucoup plus simple d'utilisation. Après la première étape de créativité, quand on a l'idée d'inventer, tout de suite après, il faut arrêter d'être créatif, il faut devenir plutôt rationnel. Créer le premier prototype, aller vers les brevets, donc investir de l'argent pour protéger cette idée. Ensuite, investir les premières sommes en gardant le secret. Aller sur les marchés financiers, proposer l'idée avec un plan d'affaires dans un modèle qui est nouveau la plupart du temps. Une nouvelle invention, c'est un nouveau modèle d'affaires. Et le marché va définir le destin de ton invention. Hello? Oui, bonjour, c'est moi. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, pas mal, merci. Le téléphone de Cyril Duquette, qui est ici, a été inventé en 1878 et a été commercialisé par le Bell Téléphone dans les environs de 1927. Les premiers utilisateurs du téléphone, les premiers qui vont découvrir le téléphone, vont considérer que c'est de la magie. Le téléphone, c'est de la voix, il parle, ils pensaient que c'était la machine qui parlait. Il y avait même des inquiétudes au Canada, on se dit, mais est-ce que cette machine, elle va parler en français? Et d'un coup, je sais que c'est le père Melville Bell qui avait essayé de rassurer quelqu'un en disant, écoutez, oui, même j'ai même entendu parler un japonais dans le téléphone, et ça marche très bien, même en japonais. Alors n'hésitez pas à parler français. M'entends-tu bien, Cor? C'est Cyril! T'entends? Hey, ça marche! Alors, Duquette a fait des expériences sur le réseau de télégraphique entre Montréal et Québec. Donc, il va faire des expériences interurbaines. Mais c'était beaucoup plus expérimental qu'autre chose, puisque sur le grande distance, à l'époque, on utilisait le télégraphe. À l'époque, hein, l'Europe et l'Amérique
vont être réunis au moment de on est encore à l'époque du télégraphe, par un câble transatlantique. Hein? On a déroulé sur l'Atlantique un câble pour réunir par télégraphe l'Amérique et l'Europe. Pas oublier que le téléphone se développe à une époque où encore tout le monde vivait avec des calèches à cheval, le bois dominait, il y a très peu d'objets en fer ou le plastique n'existait pas. Les premiers téléphones étaient surtout en bois. Donc, il faut se rendre compte que c'était les premières technologies électriques qui pénétraient dans les villes et même dans les campagnes. Duquette crée la Quebec and Lévis Telephone Company. Il installe d'abord une première ligne téléphonique entre son commerce de la rue Saint-Jean et une autre boutique qu'il possède dans le quartier Saint-Roch. Il relie ensuite sa boutique de la rue Saint-Jean au collège Jésus-Marie à Sillery, où étudie l'une de ses filles. À Montréal, il va faire la même chose. Il va installer une ligne entre le séminaire sulpicien et puis le cimetière de la Côte-des-Neiges. Parce que tu vois, il a installé une ligne régulière entre Spencer Wood et le bureau du lieutenant-gouverneur. C'était qui, ça, Spencer Wood? C'est Bois de Coulonges. Ah, OK. En plus de ces lignes, ils vendaient les téléphones à des gens qui les installaient chez eux. On vendait les téléphones à la paire à l'époque. Je vous vendais une paire de téléphones, vous en installiez un chez vous, un chez votre fils ou chez votre sœur, et puis vous parliez comme ça de maison à maison. C'était donc assez artisanal. On utilise les poteaux de télégraphe pour le téléphone et après ça pour l'électricité. Hein, c'est toujours les mêmes poteaux. De telle façon qu'il y en a un peu partout des poteaux. Et puis ils dérangent, c'est des entraves à la circulation. La charrette s'accroche dans le poteau. Les poteaux de téléphone ont tout de suite été très mal vus par les gens parce que d'abord, on a considéré ça comme un empiètement sur sa propriété. Et on venait de mettre devant chez moi, de ma maison, un poteau de téléphone qui défigurait mon paysage. C'était déjà le syndrome pas dans ma cour. Donc les gens protestaient contre l'érection des poteaux de téléphone. Les fils et les poteaux font même naître la rumeur qu'ils propagent les maladies. En 1885, lors d'une épidémie de variole, les gens abattent les poteaux de téléphone à coups de hache afin d'arrêter la propagation. Déjà à l'époque, tout ce qui est neuf est soupçonné d'être une cause de maladie nouvelle. Dans la ville de Québec, on sait par exemple que les grandes épidémies, c'est de choléra ou de typhus. Alors, on fait tirer du canon. On fait tirer du canon dans la ville pour changer l'air. Ça nous fait sourire aujourd'hui de savoir que les gens de Québec s'imaginaient que les fils électriques, par les poteaux, là, les fils de téléphone, allaient propager des maladies. Ça nous fait rire aujourd'hui. Je suis convaincu que mes petits-enfants vont rire quand ils vont apprendre qu'à l'époque du bracelet GPS, quand on a créé tout ça, certaines personnes disaient que c'était une atteinte à la liberté. Quand on invente un produit, on a non seulement l'effort de créativité, la mise en marché, mais on a aussi à gérer nos contemporains. On a à gérer la réaction des gens. Et c'est normal, tout le monde, on le sait, résiste au changement. Donc, ça prend de la patience.
ont créé deux réseaux parallèles qui ne communiquent absolument pas. Ils ont deux technologies différentes. Les deux compagnies se font la guerre. Montréal Télégraph et Dominion Télégraph avec des téléphones incompatibles. Arrive au milieu de tout ça Duquette, qui a encore un téléphone non compatible ni avec celui de Bell, ni avec celui de Edison. Vous avez un peu le portrait de la téléphonie débutant, donc je parle des années 1878-1879. C'est une période d'anarchie avec des réseaux, deux réseaux, parfois même à Québec, donc trois réseaux incompatibles l'un avec l'autre. En 1879, Melville Bell décide de vendre pour 100 000 $ ses brevets pour tout le marché canadien. C'est une occasion en or pour Duquette de se lancer dans la grande aventure. Il tente d'abord de trouver des investisseurs à Québec. Il n'y amasse qu'un maigre 3 000 $. Puis, il se rend à Montréal. Gentlemen, telephone will become the best thing for your business. Monsieur Duquette, qui est arrivé de Québec, c'est un francophone. Il n'était pas de Montréal. Il a été tout à fait en dehors des milieux d'affaires traditionnels, qui étaient donc anglophones montréalais à l'époque. Et il vient pour réclamer de l'argent pour lancer une invention dont les gens avaient entendu parler, mais qu'ils considéraient plus comme un jouet scientifique que comme quelque chose de sérieux. Alors, on va le considérer comme un illuminé. À Montréal, on se moque de Duquette. On ne croit pas en lui, pas plus qu'en l'avenir du téléphone. Le numéro composé n'est pas en service. Dire que Bell Canada aurait pu devenir Duquette Canada. Ça aurait pu évoluer au nom de Duquette, là, tu sais, qu'est-ce oui, que... Oui, c'est ça, il était à un moment donné... On peut s'imaginer quel sort aurait... Je sais pas ce qu'on aurait fait. Si on avait eu tout ça, on en serait... Tu sais pas. Tu serais peut-être pas née, toi. Tu sais jamais. En 1881, Duquette est assigné en cour par la compagnie Bell, qui l'accuse d'avoir copié sa technologie. On lui ordonne de payer 5 000 $ et de cesser de fabriquer des appareils téléphoniques. Veuillez cesser vos menaces, qui ne m'effraient nullement. Duquette se choque et dit on arrête de rire, là. Si vous, votre patente, une vieille affaire, puis si vous voulez une nouvelle, là, une vraie, là, bien, achetez la mienne pendant qu'elle est encore trop chère, parce que le prix va monter. Duquette va dire non seulement je n'empiète pas sur vos brevets, mais en plus, votre brevet n'est pas valable au Canada, parce que votre brevet vous obligerait, si vous suivez la loi canadienne, à fabriquer vos téléphones au Canada. Or, tout le monde sait que vous les fabriquez aux États-Unis et les importez au Canada. Effectivement, Bell était en défaut. Si Duquette avait eu assez d'argent pour poursuivre Bell, il aurait pu gagner et faire annuler le brevet de Bell au Canada et poursuivre sa propre compagnie. La vraie valeur d'un brevet va dépendre de l'argent que vous serez capable d'investir pour le défendre si cette invention est copiée par la suite. Mais la véritable façon de protéger une idée, à mon avis, c'est de rapidement la commercialiser, de toujours garder une avance. Si ce produit-là est à côté, entre guillemets, par une prochaine génération qui s'en vient, qui est très avancée encore plus, ça protège vraiment ton marché. La réclamation de la compagnie Bell envers Duquette passe soudainement de 5 000 à 10 $. Tout d'un coup, l'amende réclamée, c'est 10 $. Pourquoi? Alors, l'avocat explique que c'est qu'on se rend bien compte que M. Duquette était un bon monsieur, qu'il était de bonne foi et qu'il est bien gentil. Finalement, 10 $, ça va être assez pour faire une petite leçon. La vérité, c'est que les gens ont réalisé que Duquette avait eu le génie de mettre ensemble le microphone et le récepteur. Pendant les poursuites, Bell avait quand même acheté des téléphones de Duquette et avait bien vu que ce téléphone était supérieur au sien. Dans les tests, ils ont vu que le fameux transmetteur de Duquette était un transmetteur qui était beaucoup moins instable que le téléphone, le transmetteur utilisé par Bell à la même époque. Donc il y avait un intérêt pour Bell d'utiliser la technologie Duquette. Et là, ils vont payer 2100 $ pour tout. Et là, Duquette quitte l'univers du téléphone après ça parce qu'il a tout cédé. Il a tout cédé, ce qu'il possédait comme documentation, comme recherche et comme brevet. Suite à son aventure dans la téléphonie, Duquette s'engage en politique. Il devient conseiller municipal, d'abord avec le maire Langelier, puis pour le maire Simon-Napoléon Parent. Par son passage en politique, Cyril Duquette est l'un de ceux qui contribuent à transformer Québec. C'est lui, quand il a été échevin, qui a fait élargir la rue Saint-Jean, parce qu'il y avait seulement une voiture qui pouvait passer à la fois dans le temps.
Sur la cloche qui domine le Parlement de Québec, on peut lire « Amis du progrès, suivez l'exemple de votre concitoyen, Cyril Duquette ». Duquette meurt en 1922 à l'âge de 81 ans. Il laisse l'image d'un autodidacte curieux et d'un avant-gardiste chevronné. Sur Saint-Jean, ça fait une demi-heure que je t'attends. T'es où, toi? Ben, attends. Moi, ça me plaît de voir quelqu'un qui sait allier les arts et les affaires. Ça me plaît beaucoup. Quelqu'un qui sait réunir une carrière, appelons ça, de scientifique avec une carrière politique, vous aurez compris que ça me plaît aussi. Les téléphones portables d'aujourd'hui, c'est l'aboutissement du rêve de Duquette. C'était quelque chose qui était complètement inimaginable avant Duquette et qui va le devenir après Duquette. D'où l'importance de l'invention de quelque chose, d'un instrument souple, d'un instrument mobile. Et ça, c'est Duquette qui va donner la mobilité au téléphone. Québec est une ville exceptionnelle en innovation technologique. Et des gens comme Cyril Duquette ont contribué à mettre ça en place. C'est le temps là, que les gens sachent qui c'est Cyril Duquette, là, qu'on descend le boulevard Charest puis qu'on voit la pancarte. Moi, c'est la pancarte. Cyril Duquette, puis on se demandera plus c'est qui.